YouTube, c'est reparti pour la je ne sais pas combienième partie, ça doit être la quatrième partie. Bon, donc 14h27, comme ça j'ai le début de la vidéo en tête. Donc là, on repart sur un deck chasseur, mais qui a changé. Je veux dire, c'est pas le même. C'est Web Spinner et la Yen. Scavenging Yena et Web Spinner. Ok, donc on va en relancer 3, parce que sur les 3, de toute façon, il y en a sûrement au moins une qui va revenir. Au pire, bon, au pire, on a 3 web spinners, on s'en bat les couilles. C'est également très bien comme ça. Donc, ok. Donc, on va faire ça, ça, ça. Voilà. Et comme ça, là, s'il joue une créa, bim, et suicide, suicide, et brrra, il a l'aide. Bon, par contre, faut qu'il joue des créas. Hein. Si c'est un bâtard qui joue. Quel bâtard. Bon, en même temps. Selon comment il joue, faut qu'il ait de quoi me tuer. Derrière aussi, quoi. Bon, on va voir. On va voir, mais en fait, ça peut être super compliqué, j'imagine. Un bon moyen pour lui de me baiser. Bon, on va jouer ça parce que c'est pas intéressant, on aime aussi bien la vider. En fait, j'imagine bien jouer ça tout le temps. Et comme ça, dès que il joue le truc qui fait 5 points de dégâts. Ah, et voilà. Et du coup, il va me counter, me counter, me counter. Putain, quelle pute. On va essayer de choper une solution, mais c'est trop bien, son deck c'est juste trop bien aussi. Ouais. Donc ça c'est très bien. Là on va pouvoir le baiser en fait. Du coup. En fait, ouais, non, je vais jamais pouvoir. Le problème, c'est que ouais, ces trucs me tuent. Donc, ça va juste pas le faire. J'ai perdu, tout simplement. Il a tout simplement perdu. Ouais. Allez, joue. Mais c'est pas comme s'il était dur à jouer, ton deck. Joue. Voilà. Bon, on va réessayer ce deck, c'est pas grave. Voilà. Bon, super, le mec a arrêté de me parler. On va réessayer ça comme deck. Parce que c'est marrant, comme ça on va essayer de gagner et puis après on jouera comme lui. On va peut-être quand même essayer de faire un autre deck chasseur histoire de faire mes quêtes au passage. Enfin bref, alors en même temps je réfléchis à d'autres idées de potentiellement d'autres idées de deck. Ok. On va en garder qu'un pour pouvoir le jouer tour 2 et essayer d'avoir d'autres araignées. Ok, il y en a une. C'est très bien d'avoir en soi qu'une araignée puisque... puisque voilà. Non, puisqu'on n'a pas la pièce. Donc du coup, de toute façon, on peut pas faire araignée, pièce, araignée. Donc si je peux jouer des yens à chaque tour, c'est aussi bien. Ouais. Il est quand même grave stylé, je trouve, le dessin de cette carte. Et stylé la yéyenne. En fait, quand on met une carte dorée, ça c'est nul. Ils auraient pu faire qu'on a tout en doré, quoi. C'est des bâtards. Alors j'espère que le mec n'a pas que des sorts. Parce que sinon, ça va pas être super marrant. Si je joue contre des mecs qui me tuent pas mes créatures aussi. Ce deck c'est de la merde. Voilà. Ouais. Je suis sûr. Il n'a que des javelots de glace à côté de ça. Et donc je suis baisé. Je suis sûr que c'est javelot de glace, lance de glace là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Trade giv. Ouais. Ouais. Trade giv. Ah non.
Va falloir que je fasse autre chose, mon gars, parce que si tu mets que 3 points de dégâts par tour, ça va commencer à être trop lent. Ouais. Ouais. Mais t'es con. C'est nul. Mais du coup, moi, j'ai pensé à une nouvelle idée de deck. Bon, voilà. Ok, bon, bah voilà. Well played, c'est gagné. Donc ça, c'est cool. Ah, nickel, plein de thunes. Ok, donc du coup, là, ce qu'on va faire, on fait confirm. Confirm. Voilà. Et là, on joue mage. On joue mage. Et on joue le truc le plus cancer au monde. Ça. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est OP. Tout simplement. Tout simplement. Donc là, ce qu'on veut, c'est un maximum de javelot de glace, parce que c'est ce qui fait grave, grave mal. Enfin, je sais plus exactement les titres en anglais, en français, je dois me planter. C'est lance de glace, et ça, c'est javelot de glace, je crois. En... Non, lance, c'est trait de givre. Bon, bref. Voilà. Bon, ça, c'est très bien. Donc, on garde cette main. On garde cette main. Et il faut. Ouais. Ouais. Elle est trop bien, ma main. Ah, ça sent le gros deck de pute, ça. Ma main est trop bien. En fait. J'hésite à lui tuer. Non, bon, c'est bon. C'est bon, je vais le prendre de vitesse à coup sûr. J'aurais peut-être dû tout simplement lui ping la 3-2, je sais pas, bref. Bref, bref. Non, bah non, parce qu'il va lui mettre plus 1, donc. Ouais. 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 Ouais, joue. Joue, mon bonhomme. Ah, pas mal. Pas mal. Ouais. Il va me défoncer, l'enculé. J'ai perdu. 10, 19. Il y a 19, j'ai perdu. J'ai perdu. Allez, allez, je te laisse me tuer, mais tue-moi très vite. Tue-moi très vite. 5, 4, 3, 2, 1. Trop lent. Trop lent. Faut jouer vite là. Il y a des viewers. Quand pas que ça à faire. On va réessayer, hein. On voudrait bien gagner avec ce deck. Et puis, je me demande, je sais pas ce qui est mieux. Ouais, si c'est mieux les feux follets, effectivement. Parce que je me disais qu'en fait, on pouvait peut-être prendre à la place des feux follets, mettre les deux racines, les racines vivantes à 1. 2 pour 1 de mana. Mais je pense que ça coûte trop vite, trop cher. Je pense que les feux follets sont mieux, en fait. Voilà. Je pense que notre ami a eu raison de jouer comme ça. Samwit. Quel conseil incroyable. Ok. Ok, c'est reparti. C'est reparti, les gens. Ok. I go first. Donc I go first, donc puisque je go first, je vais garder ça. Histoire de pouvoir lui mettre 3, 3, 3, 3, 3, 3, Ok, c'est pas mal. Ok. Ok. Puis après on va jouer un deck voleur. J'ai une idée de deck voleur. En fait, je pense que il faut absolument que je ne commence pas avec ce deck pour faire un truc vraiment bien. Ouais. Ouais, bah, justement, là, ce qu'il joue, c'était ce que je voulais jouer. Donc, du coup, je pense que je suis dans la merde. Ça, c'est dommage, il y a juste une carte, du coup, qui est comme ça. Ouais. Toutes les autres sont pas dorées. Ça, c'est nul. Ils auraient pu nous faire des decks full dorés. Ouais, du coup... Du coup, en fait, je pense que faut vraiment ne pas commencer avec ce deck.
Parce que si je commence pas, du coup j'ai une carte de plus une pièce. Donc en gros, j'ai une lance de glace en plus une pièce. Bon, bah c'est bon, c'est gagné. Ok, on va jouer son deck là. Mais c'est. Ouais, je pense que c'est pas si fort que ça en fait. Eh merde, je suis encore trompé. Bon, Rogue or Warrior. Ok. On va essayer, on voulait essayer Rogue de toute façon. Hop, hop. Allez, Rogue, 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 Rogue. Ou alors, on va essayer ça. On va essayer. Il est où? Non. Ça. On va essayer ça. À mon avis, ça va pas être assez puissant. Mais c'est pas grave. À mon avis, ça va être pourri, mais c'est pas grave. Anduin. Ah ouais, faut qu'on teste un prêtre aussi. Ouais. Ok. Ouais, hop, on relance. On relance. Bon, très bien. Ah, c'est embêtant, parce que du coup, il peut s'en servir sur mes créas. You don't have enough mana. Mais bon, au moins, l'avantage c'est que quand il les joue contre mes créatures, il me fait pas de dégâts à moi non plus. Donc, à mon avis, là, le truc donne mana qui fait 5 points de dégâts au héros également. Je pense. Voilà. Yapan, c'est dingue que je suis. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, il est passé en mode gros porc. J'avais pensé justement à faire un truc comme ça, mais. Bim! Ah, ça fait mal, hein. Et là, du coup, il va probablement utiliser deux contre ce truc-là. Il a intérêt, en tout cas. Voilà. Après, 5 dans ma face, j'imagine. Ouais. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai jamais vraiment regardé le dessin. D'accord, c'est donc ça. Ouais. T'as perdu? Non, t'as pas perdu. Et du coup maintenant t'as perdu par contre. Surtout que tu viens de. Et ouais, t'as perdu. Ok, donc ça a marché. On va essayer autre chose avec le rogue. On va essayer du coup ce que tout le monde a joué. Donc ça. Allez, attends, ça revient à la fin du tour. Le truc là, 3 de mana. Return 10. Oh, c'est nul. C'est nul, je voulais faire un truc infini. Il n'y a pas un truc qui pourrait faire un truc infini avec. Non. Il n'y a rien. Si. Est-ce que ça. Deal one damage, draw a card. Avec le fait que ça coûte 0. Non, ça ne fera jamais piocher à l'infini. En fait, il me faut un truc qui me fasse. Je veux essayer de voir vite fait si je peux faire un truc qui fait tout piocher à l'infini, en fait. Qui fait que si tu joues, t'as gagné. Je regarde vite fait, hein, je vais pas y passer 1000 ans non plus.
En fait, si on pouvait faire genre 3 cartes, je pense que 3 cartes, ça commencerait à faire des combos infinis. Bon. Ça, c'est chiant que ça retourne à la fin du tour et pas directement. On aurait fait infini. Bon. Bon, tant pis. Ok, bon, on va essayer. À mon avis, ça doit pas très bien marcher, mais on va essayer ça quand même. Lucerate, voilà. C'est parti. C'est parti. Ah oui, puis on a dit un prêtre. Ouais, mais du coup, vous avez vu le prêtre. Le prêtre. Parce que le prêtre que je voulais tester, c'était Hospice Funeste et 2 points de dégâts à chaque fois. Donc vous avez vu ce que ça fait. Donc c'est pas la peine de vous le montrer quoi. C'est bon, vous avez vu. Voilà, c'était cool. Comme ça, c'est bien, vous avez plein d'idées à tester. Grâce à ça. Ok. 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 Elle fait peur quand même. Ouais. En fait, c'est pareil entre jouer ça qui fait 2 points de dégâts pour 2 de mana ou ça qui pour 2 de mana fait 2 points de dégâts. Donc c'est pareil, donc j'ai plutôt intérêt à faire ça. Ouf, je sais très bien ce que tu vas faire, mon gars. Ouais. Est-ce qu'on peut le prendre de vitesse? Je pense que la réponse est non, hein. Après, on peut pas non plus commencer à se permettre à lui tuer des trucs. Bon, tant pis, on va essayer d'aller plus vite. On n'y arrivera probablement pas, mais on va essayer parce qu'en même temps, on peut pas se permettre. Ceci, c'est le même deck qui joue que celui que je jouais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, mais en même temps, on peut pas. Si, ouais, il va en jouer 3. Ça fait plutôt mal. En même temps, c'est vrai qu'en fait, si j'en avais tué un. En fait, vu comme il a joué, bon, j'aurais dû lui en tuer un. Parce que du coup, il aurait pu jouer que une créa. Ça aurait été beaucoup mieux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est de la merde, ça. Ce truc de rogue, en vrai, c'est de la merde. Bon. Je regarde vite fait si j'ai une autre idée pour un dernier deck. Je regarde, j'ai mon frère qui m'en a proposé quelques-unes. Ah ouais. Bon, on va essayer ça. On va essayer un deck druide qui, à mon avis, a quand même malheureusement peu de chances de fonctionner. Donc, on a dit ça et on va mettre un Ilbot. Voilà. Voilà. Allez, faut trouver. Garrosh, intéressant. Ouais. Donc on va essayer évidemment d'avoir un maximum de Naturalize dans la main de départ. Donc c'est raté.
quand même pas de chance. Oh putain, ça va là, stop les vote. Il y a quand même 15-15. Donc là, on pioche tout de suite. J'espère que c'est pas le truc avec demi. Parce que sinon. Ok, c'est pas ça. Putain. C'est pas cool. En fait, là, ce que je suis en... là, je suis en train de lui donner des solutions pour. En fait, il va en choper d'autres, donc il va pouvoir jouer à l'infini. Donc, en fait, j'aurais pas dû faire ça. En fait, c'est de la merde. Bon, c'est pas grave. Parce que là, il a forcément de quoi jouer autant de mecs Warper qu'il veut pour jouer à 0 de mana. Voilà. Ouais, voilà. Bon, c'est perdu. On va réessayer. Mais c'est perdu. Le petit bonhomme en mousse. Just for fun. Ouais, et just for fun. Pour une fois que c'est just for fun. Parce que les autres bras de fer. C'est pas forcément très funny. Hein. Ah bah il y a quand même quelques bras de fer cool, genre avec Ragnaros, Nefarian. Il y en a vu récemment avec je sais plus qui là, et d'une autre aventure. Parfois il y en a quand même des bien cool. Mais pas tout le temps. Mais de manière générale, ils sont quand même nuls. Et je pense qu'il y en a eu une petite dizaine, je pense, depuis le début de bras de fer vraiment marrant, auquel on joue pas juste une fois pour le paquet, quoi. D'accord. Hello. It's me. I've been wondering if after all these years you like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you. Ouais. Si vous aimez bien mon talent de chanteur, n'hésitez pas à le dire. Tin, 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 tin. Thank you, you're welcome. Oui. Très bien. Oui. Bon, il y a un moment, ça va devenir très compliqué en fait. En fait, contre les trucs comme ça qui sont aussi aggro, bah c'est de la merde. Essayons. Essayons tout de même. Mais en fait, quand c'est aussi aggro, c'est juste de la merde. Peut-être qu'il faudrait plutôt jouer le prophète de cercle terrestre. Comme ça. Ah bon, tu poses pas de créa. Ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'il a forcément des créas. En vrai, il aurait dû poser des créas. Il aurait dû se dire qu'il y a un moment où je vais plus pouvoir en jouer. Voilà. Et là, s'il me fait pas un board de porc, là ce qu'il faudrait c'est qu'il me rebalance 4 projectiles dans la gueule. Et après je mets Healbot. Il est en PPLS. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Ouais, alors. 5 x 3, 15. Plus 5, ok. Ok, je suis grave dans la merde. Donc là, faux. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais. C'est une blague? Si je fais ça, vous voyez moins de choses normalement. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ouais, well played. Toi aussi, well played. Bon, là, faut que ça me face, quoi. Faut que ça face comme un porc. Parce que si ça tue le healbot. Ok.
Allez, face encore, qu'il puisse pas ping. En fait, faut juste que j'ai de la chatte et qu'il puisse pas me ping. Bon, il botte. Ouais, bah forcément. Forcément, ça marche pas très bien. Putain, qu'est-ce qu'elle fait là, ma barre Windows là? Mais non. Voilà. Je savais bien que c'était passé un truc chelou. Ouais, hello, hello, ta gueule, hello là. Bon. 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 On va réessayer une dernière fois ce deck. Quelle tristesse. En fait, je crois qu'elle est méga longue là, ma vidéo. Ouais, bon, on réessaye une dernière fois ce deck et puis on va arrêter là. Parce que là, j'ai plus trop d'idées. Enfin, évidemment, on pourrait tester encore un paquet de trucs. Mais j'ai plus d'idées de trucs vraiment fun. Donc, en tout cas, on va arrêter après cette vidéo. Moi, je vais regarder très vite fait. Après cette vidéo, si il y a des trucs que je trouve cool. Putain, t'es sérieux? Hors vidéo, je vais regarder s'il y a des trucs que je trouve cool. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, je refais une autre vidéo. Et si c'est pas le cas, bah, j'en refais pas. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, nous savons très bien ce que c'est que ce truc. C'est un deck avec Evolve. Ah, et en fait, oui, c'est mieux de mettre le Taunt. Parce que l'intérêt, c'est que par exemple, moi, je peux pas lui cibler la 2-1. Effectivement, cette carte-là est effectivement mieux. Et surtout que le Taunt. Surtout que le Taunt vaut 1 alors que l'autre, il vaut 0. Donc, du coup, j'ai grave fait de la merde tout à l'heure. Du coup. Ouais. Donc là, on va lui tuer ça. Et lui tuer ça. On tue les cartes hein, tant qu'on peut les gérer avec le pouvoir héroïque. Hein. Alors là, ce qui serait super, c'est qu'il fasse. Mais en fait, c'est de la merde ce deck, ça marche pas. Ce qui serait super, c'est qu'il fasse 4 evolve. 4 evolve, et moi je tue son truc. Et donc pour une carte, j'en ai géré 1000. Mais évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Et. Oh, d'accord. Là, je vais me prendre un Evolve des familles dans la gueule. Ça va pas faire plaisir. Mais en même temps, je vais mettre ça parce que ça, je pourrais certainement gérer une créa avec. J'aurais bien aimé pouvoir héroïque aussi, mais bon. Ouais. Il face comme un animal. Ouais. Et puis après, il va faire Evolve. Ouais. Donc c'est pas le meilleur evolve du monde. C'est déjà beaucoup mieux. Putain, encore un. Allez, s'il te plaît. Et il faut qu'il y ait un truc que je puisse tuer avec là. Ouais, mais évidemment que je. Oh là, il y avait tellement d'evolve là dans son truc. My gosh. Ok. Donc 6, 7, 7, 6. 7. Ok, donc on va tuer ça. On tue les trucs les plus chers, hein, donc c'est les 7. On tue le 7. On tue le 7. S'il veut le rejouer, grand bien lui fasse. Et ça, c'est un 7 aussi. Donc, et on tue. Le 7. Voilà, et puis il ne gardera jamais Torii-san, bien évidemment. Enfin, quoique, c'est limite peut-être pas bête en fait de garder Torii-san. En fait, c'est pas bête de garder Torii-san. J'aurais dû lui gérer Torii-san. Mais bon, de toute façon, je vais encore perdre. Par contre, joue mon gars. En fait, il a aucune raison de jouer Evolve. Ok, il le fait. Oh, bâtard. Bon, ça a tendance à être la merde. Dans l'ensemble, je dirais que c'est plutôt la merde.
On est d'accord. En plus, je top deck. Oh bah, si ça c'est pas formidable. Mais bon, ça ne change rien. J'ai juste complètement perdu. Oh, mais t'es qu'un bâtard. Franchement, t'aurais pu attaquer avec ça, qu'on voit l'animation. Parce que là, si moi j'attaque et que ça tue, ça va pas lui donner plus de plus 2. Putain, quel bâtard. T'es qu'un bâtard. Ouais. Ha! Il a pas eu les meilleurs tours 9 du jeu. Hein. Bon. Par contre, il a eu des bons tours 10. Mais putain, oh, il est trop beau. Bon, ok. Bon, bah, c'est fini. C'est fini, voilà. Je vais arrêter, je vais pas refaire de vidéo parce que je pense qu'il y a plus grand chose de trucs fun. J'ai fait quand même un bon paquet de parties dessus. Enfin bref, donc merci à tous d'avoir regardé peut-être cette série de vidéos en entier. Donc merci à tous en tout cas. Et puis bah n'hésitez pas à passer sur notre stream, enfin à essayer de passer dessus, vu ce qu'on est régulier en termes d'horaire de streaming. Enfin bref, voilà. Merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou bien sur Twitch. Salut à tous!